Salut à tous, bienvenue sur le magazine Trail Session. Aujourd'hui, présentation vidéo de l'article qui est en lien dans la description où je vous présente deux produits de la marque Sisas et un produit que j'ai testé avec Seb en test croisé qui concerne la paire de chaussettes Protec qui est une paire de chaussettes de la marque Sisas donc et qui se destine à une utilisation de trail. Alors les chaussettes pour moi c'est très important, c'est aussi important qu'une paire de chaussures. Elle permet de protéger le pied, de l'aérer et d'éviter aussi que le pied glisse. Et pourquoi une chaussette de trail par rapport à une chaussette de route? C'est parce que souvent elles ont des ondes de renfort au niveau des malléoles, ce qui évite des fois aux pieds, donc les chaussures de trail qui sont avec des crampons, de venir frotter la malléole lorsque on est un peu fatigué ou lorsqu'il y a des sentiers qui sont en plein virage, etc. Donc voilà un petit peu aussi la différence entre une chaussette de route et une chaussette de trail. C'est une petite différence parmi tant d'autres. Et j'ai testé également un autre produit très intéressant que Sisas développe, c'est les semelles et notamment les semelles de vélo. Donc il existe trois modèles de semelles de vélo. Moi j'ai la semelle intermédiaire, donc la Bike Plus, qui est une très bonne semelle qui s'adapte à toutes les chaussures puisqu'il faut découper la semelle par rapport à la semelle d'origine. Et ensuite il suffit de l'insérer dans la chaussure pour avoir une meilleure zone d'appui, un meilleur confort parce que c'est souvent négligé, mais les pieds en vélo, en cyclisme, ils sont parfois ils sont emprisonnés dans une chaussure assez étroite, le pied ne bouge pas forcément trop, et puis surtout la durée d'effort est quand même beaucoup plus longue, voire triple par rapport à une durée de footing par exemple. Donc on peut passer 3 heures en sollicitant nos pieds, et c'est pour ça que l'utilisation d'une semelle adaptée n'est pas à négliger. Voilà, donc je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout ce que j'ai pu en dire sur l'article en dessous, et je vous remercie pour votre attention, et puis n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Trail Session.